Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, j'ai envie de lâcher des énormes frappes de malade. Comme vous avez vu dans le titre, on va mettre des buts avec des ballons plus en plus gros. On va commencer avec un tout petit ballon qui ressemble à ça. Comme vous voulez voir, il tient dans ma paume de main. C'est qu'il est vraiment microscopique et on va finir avec un gros ballon de gym. Il y a quand même une sacrée différence. Dans cette vidéo, on va faire un challenge entre Bastien et moi. À chaque fois qu'on met des lucarnes de fou, ça nous rajoute des points. Donc si ça vous hype, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. On va pouvoir commencer cette vidéo. Go! Pour gagner cette vidéo, il va falloir gagner un maximum de points. Pour les tout petits ballons, ça sera 1 point. Pour les ballons taille classique, 2 points. Et pour le ballon le plus gros, 3 points. Des bonus peuvent être ajoutés. Si lors du tir, le ballon passe dans l'un des deux arceaux, un rose et un vert, cela double tes points. Et pour finir, si tu prends un risque avant le tir, ça rajoute un point bonus. Ok les amis, vous avez compris les règles, elles sont quand même assez simples. Je suis chaud pour faire des frappes de fou. Tu penses qu'à mettre des lucarnes de fou? Pas toi, mais moi ouais. Ah. Pour savoir qui commence, on se fait un petit Shifumi. Shifumi. Je coupe la feuille et je vais récupérer le ballon microscopique. Non mais je sais même pas si on va l'avoir à la caméra quand je vais tirer. Ouais c'est compliqué hein. Franchement si je commence la vidéo avec un petit cerceau direct, je dis pas non. La petite mini balle, tu la vois ou pas? Ouais je la vois. Ok je pose la balle, je la vois même plus et 3, 2, 1. Oh ah, c'est une balle, elle a pas bougé. C'est impossible. Bon je vais frapper en reprise. Merde. Elle est tombée chez le voisin, je crois. Elle est passée de l'autre côté. Arrête. Je fais pas une blague et ça fait un bruit de fenêtre. Ouais, en mode ping. Je gagne combien de points là? Bah, ça me fait un point d'office. Quoi? Non! Bah oui, c'est de l'anti-jeu. Tu vas me quiller tous les ballons, après je pourrais plus tirer moi. Il est passé au-dessus et il est passé à travers les carrés. On va dire que ça donne un point d'office à Bastien. Je suis dégoûté. Moi, ça me fait 0 points. Bastien prend l'avantage sans rien faire, ça me rend fou. Et on va passer du coup au prochain ballon. Allez, on passe à la balle de tennis. On la voit bien, elle est bien flashy, ça va être quand même différent de la balle d'avant. J'espère qu'elle va pas passer à travers les carreaux. Attends, viens, on vérifie avant, non? Oh non! Je vais perdre toutes mes balles. Même si la balle elle passe dans les cages, ça passe à travers. On va essayer de pas la perdre. Pronostic, je la perds ou pas? Ouais, je prends le pari, ouais. Comme j'ai 3 tirs, je vais quand même assurer le coup, je vais la passer dans les cages. Ouais, yes. Ok, ça me fait un point. Je vais essayer de la passer dans l'arceau. Allez, dernier tir pour moi. Allez, petit jongle. Et frappe. Non! C'est pas grave, j'ai assuré le coup, ça me fait un point pour moi, ça va être au tour de Bastien. Bon, du coup, c'est bon, c'est à mon tour, faut que je me sors parce que j'ai toujours pas tiré moi, mais j'ai déjà un point. Merci Vadim. Là, je vais tirer, on va voir ce que ça donne. Ok, se prépare. Ah non, il assure le point. C'est vrai, j'avais pas réfléchi à ça. Lui, comme il est après moi, c'est lui qui la balle, et bah moi, ça me donne pas un point. Je suis un peu dégueu. Allez! Ça compte comme un essai, je m'en fiche. Je touche pas la balle. Mais je m'en fiche, ça compte comme un essai. Non, ça compte pas comme un essai. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non. Elle est passée derrière. Ça va, t'as de la chance, elle est pas quillée. Dernier essai pour essayer de mettre une reprise de volée ou une belle lucarne pour gagner des points en plus. Allez, il rate. Oh non. Ah ok, de mon angle, je t'avoue, c'est dur à voir. Après voilà, je suis meilleur que Vadim, bon non, faut dire les termes quoi. Bon allez, on passe au ballon suivant. Enfin un ballon qui va ne pas passer à travers le filet. On vérifie au cas où. Je pense qu'il passe mais vas-y. Ah ouais, enfin, non, ouais. Mais c'est pas possible. Ah si, il passe, voilà, regarde, regarde. Oh non. Non mais t'es sérieux là? Faut que je fasse tour. C'est pour l'échauffement, vas-y. Le ballon il est tellement petit qu'il passe encore à travers. Donc vivement qu'on ait un gros ballon pour éviter de le quiller. Même un gros ballon tu vas le quiller. C'est vrai. Oh non. Ouh. Oh il était bien parti. Ouais, j'y ai cru hein. Allez, deuxième tentative. Non. Il me reste un essai. Et il est passé derrière. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est de l'anti-jeu à ce niveau-là, là. J'ai même l'impression que tu le fais exprès, là. Mais les gens, ils vont sortir dans leur jardin, ils vont voir, il y a 16 ballons. Il y a un stand de ballons. Si je me débrouille pour aller le chercher, je m'en fiche, t'as pas le point. On va aller le chercher. Les amis, il faut que j'aille chercher le ballon. Non, mais moi, je suis vraiment un cas. Je m'en fiche, je vais tout faire pour aller le récupérer. Parce que sinon, ça lui donne encore un point gratuit. C'est pas possible, ça. Allez, encore. Ok, je suis devant l'entrée, je sonne. J'espère qu'il y a quelqu'un. Oui, bonjour. J'ai quitté mon ballon chez vous. Je suis désolé de vous déranger. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ok, c'est bon. Allez, vite. Oh, il est là. Yes. Ok, j'ai récupéré le ballon. J'aimerais bien trouver le petit ballon que j'ai quitté tout à l'heure. Au moins, Bastien, ça lui enlève un point. Par contre, il est tout petit, donc ça va être impossible de trouver. Il est où ce ballon? Il est peut-être là-dedans. Allez. Oh, c'est pas possible. Oh, je le trouverai jamais. Bon, tant pis, je l'ai pas trouvé. Je repars quand même avec le ballon, c'est cool. Merci beaucoup. Au revoir. C'est nice. Mission accomplie. Ah, tu l'as récupéré! J'ai fouillé dans tout le jardin. Bon, je remercie la dame, elle était super gentille. Moi, ça me fait pas de points. Mais je donne pas de points à Bastien, donc c'est parfait. C'est bon, c'est à mon tour. Il a récupéré le ballon, il m'a pas donné le point parce qu'il a récupéré la balle. De toute façon, moi, je vais le mettre facilement. Ça va rentrer, je vais gagner le point et j'aurai 2 points d'avance. C'est parti. Quoi? C'est tout. J'ai techniquement 2 points d'avance, mais je vais essayer d'en gagner un petit peu plus. Donc, je vais tenter les beaux buts et voir les lucarnes, même si c'est un peu tendu. C'est maintenant qu'il faut tenter parce que les ballons sont tout petits. Allez, dehors. What? Non!
Oh, t'as trop de chance. T'as trop de chance, toi. Non, je... Il est pas qui. Ah non. Il est juste derrière. Mais pourquoi lui, ça skie jamais chez le voisin? Il a de la chance. Et ça fait 3-1 pour moi. Je vais me rattraper sur celui-là, tu vas voir. Les amis, place au ballon de foot. Celui-là, il va être beaucoup mieux. Je vais tout faire pour que ce ballon, il passe dans l'un de ces deux arceaux. J'ai 3 essais, ça va être dur, mais il faut que je rattrape mon retard. Ah, c'est cool, je peux faire des petits skills avec ce ballon. Ouh. Allez, lucarne droite dans le cerceau vert. Vas-y, 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 boum. First try, hein. Premier essai, c'est passé chiou directement. Elle était magnifique. Qui dit, tant j'ai encore 2 frappes, je vais faire mieux, ça va être dur. Je me suis rattrapé avec une belle lucarne, first try en plus. Elle est tombée du ciel, je vais quand même retenter les 2 essais qui me restent pour, qui sait, faire mieux. Je vais faire un salto et frapper lucarne. Oh non. Pas si loin, hein. C'est passé à côté du cerceau, j'ai le seum. Je vais tenter une retournée acrobatique. C'est pas grave les amis, dans le cerceau fer, ça me fait 4 points, donc 5-3, c'est au tour de Bastien, go. Aïe aïe aïe, ça va être dur de faire mieux. Du coup je vais tenter les lucarnes pour rattraper le retard, et sinon si je rate, je fais une frappe à terre pour assurer les 2 points. Mais j'aurais perdu mon avance. Parce que t'es nul. Oui, yes. Bon, ça sent bon pour moi, il a raté son premier tir, j'espère qu'il va rater les 2 autres. Bah c'est rentré, ça te fait 2 points. C'est rentré, j'ai du mal à calculer un truc. C'est quoi ce niveau que tu me proposes là? Ouais, va chercher, ouais, ouais. Il a raté son tir, ça lui fait 0 points. Quoi? Non, non, j'ai 2 points. Les amis, dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi? Moi, je mets une lucarne de fou dans un trou de souris, alors que lui, il a mis un tir classique et il a gagné des points. Faudrait peut-être revoir les règles du jeu, c'est pas grave. Les amis, on est dans mon domaine, le basket. Le ballon est plus gros et il est plus dur, c'est vraiment une pierre. Je vais le faire bondir sur ma tête pour voir un peu. Waouh, ça fait mal, hein. J'imagine pas sur le pire. Si j'arrive à le passer dans l'arceau, je prends une longueur d'avance incroyable. Yes! Bon, j'ai assuré mon point, je vais essayer de viser un cerceau. Oh, non! Levée de balle, reprise. Ouais, je n'aurais pas de points, mais t'as bien frappé. Ok, ça fait 7-5, je suis en avance, mais Bastien peut se rattraper tout de suite. C'est mon tour, je tente la lucarne. Pose la balle. Oh, dommage! Allez, deuxième essai! T'es pas dedans! Dernier tir, c'est le moment de prendre l'avantage. Ouais! Tu valides quand même le point. 7-7. Égalité. J'espère qu'il se rate avec le gros ballon. Comme ça, je gagne la partie. Les amis, place. Dernier ballon de cette vidéo. C'est un gros ballon de gym. C'est pour travailler tous les fibres de son corps. Allez, on bouge le bassin. Bref, nous, on va pas faire ça aujourd'hui. On va faire des lucarnes. On va le faire bondir sur sa tête. Ah, lui, je crois qu'il est lourd. Ça va être dur de faire des grosses frappes. Comment on va faire pour passer le ballon dans l'arceau? Le ballon il passe pas! Si on touche l'arceau, c'est validé comme s'il passait. Comme c'est moi qui ai créé les règles, si on touche une fois la barre, ça nous rajoute un autre essai. Ok, je place la méga boule ici et je vais taper de toutes mes forces. Je prends de l'élan de fou. Tranquille! Bad! Go! Épuisant, mais c'est rentabilisé car j'ai mis le puntos. Ça me fait 3 points, je vais essayer de toucher l'arceau rose. La barre! Oh, c'est pas grave, ça me fait un tir en plus. Oh. Les amis, je vais essayer d'avoir un point pour la beauté du tir. Je vais courir face au ballon, salto avant par-dessus, je me retourne et je frappe. Ouais! C'est validé! Ça me fait un point bonus! Donc let's go, ça me fait 4 points. C'est au tour de Bastien. Ouais, c'est à mon tour. Tente la lucarne. Don't move. Don't move. Partir. Bon, j'ai validé mes 3 points, sauf que ça ne suffit pas pour pas de Vadim. Donc je retente la lucarne. What? On va arrêter à droite. Dernier essai. Oh non. Oh yes. Oh, c'est pas passé loin. Je crois que c'est la victoire. Yeah. J'étais genre à ça, genre. Ouais, t'étais à ça de l'avoir. Bon ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Mon deal a été respecté, j'ai mis des lucarnes de fou. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. On va pouvoir se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur, tiens les poulets.